Jésus fait ? Mbega Yesu yakoze iki ? Il naît ici, aravukiye ngaha, dans la personne donc de Jésus, avutse ari Yesu Kristo, Dieu le Fils, umwana w'Imana qui s'incarne, yigaragaje. Il amène une vraie connaissance. Azana ubumenyi bw'ukuri. Qu'est-ce que Jésus fait sur cette terre ? Mbega Yesu yakoze iki kuri ino si ? Nous l'avons vu, il prêche le royaume, il prêche la repentance. Yatanguye kuvuga iby'ubwami hanyuma yigisha ukwihana. Nous avons vu des gens sont saisis par la puissance du Saint-Esprit. Abantu bakogwa ko n'ubushobozi bwa mpemu yera. Qu'est-ce que Jésus fait d'autre ? Mbega Yesu yakoze iki kindi ? Il délivre des démoniaques. Abohora ababashwe n'amadayimoni. Il manifeste le royaume en délivrant les démoniaques. Agaragaza ubwami bw'Imana mu kubohora. Chaque personne qui voulait être délivrée. Umuntu wese yagomba kubohora. Jésus n'était pas sans puissance. Yesu yari ngaho kugira ngo nous verrons que c'est une des démonstrations du royaume. Uko bwabaye kugaragaza. Qu'est-ce que Jésus faisait? Mbega Yesu yakoze iki? Il guérissait les malades. Yakize abarwaye. Il guérissait toutes sortes de maladies. Yakize ubwoko bwose bw'indwara. Qu'est-ce que Jésus faisait? Mbega Yesu yakora iki? Il faisait des miracles. Yakora ibitangaza. Le manque n'existait pas. Ukubura ntivyabaho. Quand Jésus était devant une foule, yes, ils avaient faim, ils avaient soif. Et Jésus va faire des miracles de provision. Quand il y avait les tempêtes, Jésus calmait les tempêtes. Jésus va faire toutes sortes d'œuvres, d'actions. Jésus va purifier des lépreux. Jésus va faire tout un tas de miracles. Tout un tas de miracles. Il va faire quoi en général? Il va détruire les œuvres du diable. La mission de l'exemple de Jésus dans la relation avec le Père, non pas dans la religion. Jésus n'était pas quelqu'un de religieux. Relisez les évangiles. Je vous mets au défi de relire les évangiles. Vous allez voir ce que Jésus faisait. C'était simple. C'était dans l'humilité. Il n'était pas là pour faire le one man show. Il n'était pas là pour se montrer. Il y a eu des moments où Jésus a dû s'écarter, fuir. Il y a un moment où on voulait faire Jésus roi. Jésus a refusé parce qu'il savait que ce n'était pas le temps. Il savait que ce n'était pas le temps. La gloire, nous la recevrons quand nous serons au ciel. Aujourd'hui, si tu fais quoi que ce soit pour le Seigneur et que tu prends un atome de gloire, tu perdras ta récompense. Maintenant, quand on parle d'humilité, les gens, c'est « Ah, il faut être pauvre, malade, se taire et se faire écraser. » Non, Jésus régnait dans cette vie. Jésus a manifesté le royaume, et nous reviendrons sur cette partie-là parce que c'est cette partie-là qui va m'intéresser le plus. C'est là où je veux vous amener, de vous montrer comment est-ce que le Seigneur a régné dans cette vie. Regardons Romains 5, verset 17. Romains 5, 17. Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple. Jésus va nous montrer comment nous devons nous comporter par rapport au royaume. Par rapport au royaume. Il est dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est nous, et du don de la justice, c'est nous aussi, régneront-ils dans la vie, dans cette vie, par Jésus-Christ lui seul. Abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushirwa ukungoma mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. Amen. Nous allons voir que Dieu nous appelle à régner. Turabonera hamwe yuko Imana iduhamagarira kuganza. Et il y a un champ d'application sur ça. Kandi hari haho bikorerwa. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles Dieu t'ordonne de régner. Imana igutegeka kuganza ko. Des manifestations du royaume. Et ça, tu dois le comprendre. Tu dois savoir ce que tu dois faire dans le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu, ce n'est pas aller gonfler sa personnalité et montrer qu'on est grand, qu'on a beaucoup d'argent, et blabla, etc. Et qu'on fait des beaux discours dans des beaux endroits. Et ça, malheureusement, c'est l'image de plus en plus que l'on voit des gens qui prêchent le royaume. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup le royaume s'étendre. On voit des prédicateurs qui cherchent à ratisser les chrétiens des autres pour dire on a réuni tant de personnes sous notre église, sous notre ministère. Il y avait tant de personnes qui m'ont écouté. Il y a tant de personnes qui me suivent sur Facebook. J'ai mis des vidéos où il y a tout qui est parfait, le message est parfait. Sauf que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que les manifestations du royaume, il n'y en a quasiment plus. Et c'est là où ça cloche. Qu'on construise des grands bâtiments, je n'ai pas de problème. Qu'on puisse financer des grandes croisades, je n'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est quand on fait des adhérents. Quand on a des gens qu'on réunit, quand on a des gens qu'on réunit, avec lesquels on annonce des belles choses, qui sont ni plus ni moins orientés seulement vers eux-mêmes, moi et moi, et quand on demande les transformations de vie, on est obligé de chercher l'action de Jésus au microscope électronique. Et ça ne va pas. Je suis désolé. Quelqu'un qui vient dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a un témoignage de changement radical de vie. C'est quelqu'un qui est transformé. Jésus nous a montré l'exemple de gens qui étaient transformés. Pierre vient, nous l'avons vu dans les sessions précédentes. Il met à disposition la barque, sa barque pour Jésus. Et quand Jésus fait cette pêche, quand il fait ce miracle pour la pêche miraculeuse, Pierre, il est sous la puissance de Dieu. Il est tout tremblant. C'est pas devenu un adhérent. C'est quelqu'un qui a laissé sa vie pour suivre Jésus et qui a saisi la vision du royaume. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Jésus est venu pour nous montrer l'exemple, pour manifester le royaume, pas pour essayer d'être dans un espèce de truc de survie, un truc de mendicité. Non. Il est venu manifester le royaume. Et partout où Jésus passait, et il y avait des transformations. Et il y avait des solutions divines. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. En puissance. Des gens changés. Transformés. Transformés. Pas une image projetée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus, des images projetées. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile consiste en puissance et en transformation. Qu'on ajoute un certain nombre de communications, de façons de communiquer, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la façade remplace ou essaye de remplacer le cœur même de l'évangile, là il y a un problème. Et c'est là où l'église doit s'orienter, revenir aux sources. Parce qu'un réveil n'est pas fait d'adhérents. Un réveil est fait de gens qui sont transformés par une rencontre avec le Seigneur. Des gens qui changent de royaume. Pas des gens qui adoptent une façon de penser qui est haute. Ou des paroles et des phrases excellentes. Mais on ne voit pas le changement. Quand la vie de Dieu vient,
Et il y a quelque chose qui est mort. La vie de Dieu transforme. Et cette vie de Dieu ne vient pas par hasard dans une situation. Elle vient parce qu'il y a des choses. Il y a des attitudes humaines. Il y a des positionnements d'un être humain. Il y a les lois divines. Entre autres de la foi qui sont mises en action. Mais ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de façades. Et il est temps que la façade tombe. Et que la puissance se manifeste. Que le royaume puisse se manifester. C'est ça qu'on veut voir. En tout cas, c'est pour ça que je me battrai dans cette vie. Parce que ça, ça vous donnera des coups. Mais ça paye pour l'éternité. Ça vous amènera des persécutions. Mais vous travaillez pour un royaume éternel. Si c'est pour travailler simplement pour des choses de façade qui ne vaudront rien le jour où tu te présenteras devant Jésus. On va parler d'un verset maintenant qui est dans 1 Corinthiens chapitre 3. Et je reviendrai sur ce verset. Parce que je veux vous motiver. Je veux que vous compreniez. Et que vous mettiez votre énergie à la fois spirituelle, à la fois relationnelle, morale, financière, dans les vraies valeurs du royaume. Là où Dieu approuve. Pas des trucs où les hommes font des choses qui paraissent être de Dieu. Mais revenons aux sources. Revenons aux sources. J'entends tellement de choses qui sont complètement en dehors des réalités du royaume et qui paraissent parler du royaume. La Bible nous dit, on va lire à partir du verset 10, et je vais clôturer par ça ce matin. Du verset 10 jusqu'au verset 15. Vous allez voir les gens qui comprennent ce qu'est le royaume de Dieu. Avec les personnes qui ne comprennent pas ce qu'est le royaume de Dieu. Et qui pourtant sont dans le royaume. Vous allez voir. Là, le Seigneur ne parle pas du salut, il peut parler de la récompense. Tu ne pourras jamais être efficace pour le royaume de Dieu si tu ne comprends pas ce que je suis en train d'enseigner ici. La Bible nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La Bible nous dit qu'un personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ok, ça c'est la nouvelle naissance. Si quelqu'un bâti sur ce fondement, c'est-à-dire sur Jésus, tu es né de nouveau, tu es dans le royaume. Avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi te battu tous les jours? Pourquoi te battu tous les jours? Pour quel but te battu tous les jours? Où est-ce que tu mets toute ton énergie? Spirituelle. Tes prières. Ton énergie morale, relationnelle. Financière. Corporel avec ton corps. Où est-ce que tu mets ton énergie? Pose-toi la question. T'es en train des fois de te battre pour des trucs. Des trucs qui sont périssables. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas construire ta vie dans le naturel. Mais la priorité, il y a des gens qui se bagarrent, bagarrent pour des positions, des machins, des histoires. Et un jour, tout disparaîtra.
Et tu oublies le principal. Travailler pour le royaume. Un jour, je te montrerai quand. Ce que la Bible dit. La Bible nous dit. Car un jour, on la fera connaître. Ton œuvre, ce sur quoi tu as bâti, se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu. Ce ne sera pas un feu que tu allumeras avec Ikibiliti Namakara. Pas d'allumette. Pas de charbon de bois. Ce sera un feu divin de la vérité. Où Dieu ce jour-là amènera toutes tes œuvres. Et sa gloire va descendre dessus. Et c'est pour ça que Paul nous fait des comparaisons. L'or, l'argent, les pierres précieuses, chaume, le foin, le bois. Il y a des choses qui brûlent et des choses qui ne brûlent pas. Des choses qui résistent au feu. Moi, je préfère les pierres précieuses. Parce que celles-ci ne brûlent pas du tout. Vous avez remarqué que l'or, l'argent, si vous les mettez trop longtemps au feu, ça disparaît au fur et à mesure. Les pierres précieuses résistent au feu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement sur Christ, réellement, selon ce que le standard de Christ, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Là, on parle d'éternité. Tu seras sauvé parce que tu es sauvé par la foi. Par la grâce. Et qu'est-ce que tu auras construit toute ta vie? Des belles maisons, des belles études, des comptes en banque bien remplis. Ok, ça c'est bien pour cette vie, enjoy. Mais si tu n'as rien fait à côté, tu es nul. Je répète, si tu n'as rien fait à côté pour le Seigneur, ce que tu as fait là, c'est nul. Parce que la Bible dit que nous sommes rentrés dans ce monde nu et nous en sortirons. Excusez-moi, je ne vous prêche pas la bénédiction. Je vous prêche les réalités du royaume. Prospère autant que tu peux. Construis des maisons et des comptes en banque bien remplis. Finance l'évangile. Mais pas toi, pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Que tout ce que tu fais soit orienté vers le royaume. Que si tu te maries, tu ne te maries pas avec un type qui est soi-disant converti rien que parce qu'il est venu te chercher dans l'église El Shaddai. Tu ne construiras rien. Tu vas démolir ta vie. Tu ne pourras rien faire pour le royaume. Parce que tu vas te lier avec quelqu'un qui n'est même pas sauvé. Et qui est là et qui va t'embarquer, dans quelques années tu seras complètement froid. Quoi que tu fasses, pense à ton éternité. Pense à ta récompense. Là on parle de récompense. La récompense et la position dans le royaume sont intimement liées. La récompense et la position dans le royaume éternel sont intimement liées. Tout ce que tu construis pour toi-même de façon égoïste, qui ne concerne pas le royaume de Dieu, zéro pour ta récompense. Vous êtes très silencieux. Je ne vous dispute pas, j'essaye de vous motiver. Ce n'est pas la même chose. Ce que je veux, c'est vous amener devant les réalités. Frères et sœurs, si nous découvrons les réalités du royaume, le réveil viendra dans cette nation. Et nous serons vraiment capables d'y participer. Si nous faisons une génération de chrétiens égoïstes, de chrétiens
Bénis-moi, 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 Seigneur. Baba Christo wa mari impa mpezagira umpezagira wongera ucungirira ukuru. Nous n'irons pas loin. Et tu pourras prier pour le pays, tu pourras prier pour tout ce que tu veux. Il ne se passera rien du tout. Parce que Dieu attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils et des filles du royaume. Et c'est quand un peuple se lève en comprenant ce qu'est le royaume de Dieu. En comprenant ce qu'est le royaume de Dieu. Qu'il va manifester le royaume. Et quand tu manifestes le royaume, les choses spirituelles éclatent de partout. Les gens sont sauvés. Les guérisons s'opèrent comme ça. Les délivrances s'opèrent comme ça. Tu pries pour quelqu'un, tu vois les guérisons. Tu pries, tu vois des trucs incroyables se produire. C'est cette dimension dans laquelle Dieu veut nous amener. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne le royaume. Tant qu'on n'a pas l'intelligence du royaume, tu pourras vivre des choses merveilleuses un jour ou l'autre, mais petit à petit, tu vas t'éteindre, tu vas t'endormir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la flamme en toi du royaume. Tu ne comprends pas 1 Corinthiens 3. Tu construis ta vie de manière égoïste et tu penses la construire sur Christ. Oui, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Tu es un bon chrétien qui vient tous les dimanches à l'église. C'est bien. Sauf que ça, ce n'est pas les œuvres de Dieu. Dans le sens, tu n'es pas en train de construire quelque chose. Tu es en train d'attendre tranquillement pour ta petite vie. Construire pour le royaume va vous secouer. Nous parlerons de ces choses. Les esprits sataniques qui empêchent le royaume et qui essaient d'empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Et devant lesquels il va falloir savoir quoi faire. Mais si tu pouvais ouvrir les yeux ce matin et voir la gloire qui t'est réservée, si tu pouvais même voir une seconde cette gloire, tu ne serais plus jamais le même. On va se lever, on va prier ensemble. Levez vos mains vers le Seigneur, s'il vous plaît. Père, nous voulons comprendre, Seigneur. Comprendre ton royaume, Seigneur. Nous voulons comprendre, Jésus, pourquoi tu es venu réellement. Oui, tu nous as ouvert le royaume, Seigneur. Mais tu nous as aussi surtout montré un exemple. Comment, Seigneur, dominer dans cette vie? Et comment, Seigneur, multiplier, que ton royaume puisse avancer? Que ton règne puisse venir, Seigneur, et s'étendre sur cette terre. Tu nous as donné, Seigneur, un temps tellement extraordinaire. Mais nous voulons comprendre. Oh, je prie pour que tu donnes de l'intelligence à chacun d'entre nous, Seigneur. Pour que nous puissions comprendre le royaume et le manifester. Nous voulons amener ta connaissance sur la terre, Seigneur. Nous voulons voir des prières répondues d'une façon tellement merveilleuse. Nous voulons faire tes œuvres, Jésus. Tu nous as montré comment démontrer le royaume. Et nous voulons le faire, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu te trouves ici, dans ce pays, Seigneur. Ce pays dont on parle si mal dans le monde entier, Seigneur. Des cœurs extraordinaires de personnes qui veulent te servir et comprendre ton royaume avec le vrai évangile. Je prie, Seigneur, pour que tu touches nos vies, que tu nous enflammes pour ton royaume, que nous comprenions, Seigneur, comment vivre sur cette terre à la lumière de l'éternité. Seigneur, nous voulons être de ceux qui avons des récompenses, des grandes récompenses. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont vus avec des grands titres, Seigneur,
Les titres nous n'importent peu, Seigneur. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de manifester ton royaume. Merci, nous avons montré l'exemple, Jésus. Toi, le roi qui est venu sur cette terre. Le roi, tu es notre roi. Oh, que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu es notre roi des rois. En comprenant le royaume éternel qui démolira les systèmes de ce monde. Tu prendras la royauté et nous régnerons avec toi, Seigneur. Nous voulons le comprendre et nous voulons découvrir réellement ce qu'est le royaume, Seigneur. Et nous voulons rester dans la simplicité et l'humilité. Parce que toi, tu étais Seigneur dans la simplicité et l'humilité. Tu étais Seigneur, quelqu'un qui nous a montré l'exemple, et nous voulons suivre ton exemple afin de te glorifier. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis, et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura, où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministere-elshaddai.com.